Igor? Madge, moi je suis très anxieux parce que je ne sais pas exactement quand va se passer le Festival international du handicap. Est-ce que tu peux me dire? Je suis Madge, Igor. Ça, je sais, oui. Tu dois être un peu sourd parce que je l'ai posé la question tout à l'heure. Je t'ai demandé si tu savais à quelle époque, je crois que c'est en septembre, qu'il y a le festival. Tu es dans la bonne chose. Les astres te sont favorables. Je t'ai demandé quand se passait le festival international du film du handicap, qui doit se passer dans un train qui doit partir de Copenhague, qui doit arriver jusqu'à Cannes. Mais je voudrais savoir les détails exactement un petit peu. On va dormir dans le train, on va dormir à l'hôtel, on va dormir où? Hein? Je veux dire, j'ai besoin de savoir, on va voir des films. Là, oui. Tu pourrais avoir une bonne surprise. Merci, ça c'est bien. Ah, je me suis brûlé. C'est une super idée. De toute façon, il faut faire beaucoup de choses pour tout ce qui est handicap. C'est parce que le handicap, on en a autour de nous tout le temps, des gens qui sont handicapés sur différents modes de handicap, que ce soit des gens qui sont paralysés, qui sont des gens qui sont sourds. Moi, j'ai vécu avec les sourds. J'ai fait même du théâtre avec des sourds à une époque. C'était magnifique. Et moi, comme j'ai été mêlé avec eux, j'ai appris le langage des sourds. Alors, je connais l'alphabet A, B, C, D, E, F, enfin voilà, etc. Mais il y a plusieurs langages, il y a eu plusieurs écoles, donc c'est extrêmement compliqué. Au bout d'un moment, j'arrivais à... Et puis je me suis livré sur les lèvres. Et je demandais aux sourds de regarder sur mes lèvres. Ils arrivaient très bien à me comprendre. J'ai une très bonne articulation, même si on ne m'entend pas. Dis-moi un truc, tu viendrais avec nous au festival du film sur le handicap? Hein? Ça te ferait plaisir de venir? Oui, les astres sont formels. Saisis cette chance. Il n'y en aura pas deux. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais savoir? Allons, allons, tu nages en plein rêve. Tu crois peut-être qu'il...